Alors, vidéo numéro 2, c'est comment créer son article. Alors, l'idée, c'est d'avoir l'idée d'un article à écrire sur ce blog. Moi, je suis tombé en cliquant sur ce petit lien, là, relatif, règlement relatif au contenu. Ben, ça m'a renvoyé là-dessus. Je me suis dit, ben, tiens, je vais faire un article sur le contenu de cet article. Alors, première partie, je clique sur nouvel article. Attention, on crée des articles et non pas des pages. Pour vous le rappeler d'ailleurs, je vous ai écrit cette page qui n'est pas publiée. C'est pour vous, on ne crée pas de page. Votre mission à vous, c'est de créer des articles. Donc je vais dans Articles et puis Nouvel article. Alors un article contient un titre pour en avoir corrigé quelques-uns. Quand on publie, on fait preuve de rigueur, on se relit et une phrase commence par une majuscule. Donc là, moi je vais écrire règlement relatif à la publication d'un contenu. Ça, c'est mon titre. Vous ne pouvez pas le mettre en forme. C'est la feuille de style qui le met en forme. Après, j'arrive ici. Donc là, je suis dans ma page. Ici, j'ai ma petite barre d'outils. Mon écran a une résolution suffisante pour me l'afficher en entier. Donc l'idée, c'est d'utiliser, de vous montrer comment utiliser les outils principaux. Donc je suis parti ici. On a dit qu'on mettait sur la première ligne auteur. Vous, vous mettez élève. Moi, je mets prof. Et on ne met que ses initiales. Certains d'entre vous n'ont pas la majorité numérique, vous ne mettez que vos initiales. Je rappelle que ce blog sera supprimé en fin d'année. Bien, après, je vais mettre présentation, et puis ce présentation, toc, je m'en vais le déclarer comme titre. Et puis en dessous, l'idée, donc en dessous, ça n'est plus un titre, c'est un paragraphe où c'est normal. En dessous, l'idée c'est d'écrire ou de copier-coller un petit paragraphe qui présente l'intérêt de l'article. Alors, moi je vais le trouver là-dessus. Nous faisons de ce blog. Toc, toc, toc. Eh ben, Blogueur est un service gratuit. Je vais copier tout ça et puis je vais voir ce que je vais garder. Alors là, je vais faire un. Hop, je prends tout ça, je vais faire un copier, je retourne sur mon article et puis je m'en vais faire un clic droit coller. Alors là je colle le texte et sa police et puis pour que ce soit plus joli, ben en fait je vais resélectionner ce texte et ici vous avez un petit bouton qui efface la mise en forme. Donc ça efface la mise en forme, ça me génère des fois des lignes, donc je les supprime et puis voilà. Et puis l'idée c'est de mettre un peu de gras. Alors ça je trouve c'est important, donc je vais le mettre en gras, constructif, encourage les débats constructifs, toc, mais en gros on ne doit pas incendier. Nous devons réprimer les abus qui menacent notre avenir social, c'est pourquoi nous avons fixé des limites quant au type. Voilà, donc il y a des limites. Et puis je me dis qu'avec ça, je vous ai bien vendu la suite. Je vais laisser le signaler tout un fraction. Donc ça, je vous le laisse. Donc ça, je vais le résumer. Hop, pour info, virgule, vous pouvez supprimer. Alors ça, j'ai fini mon truc. L'idée, c'est de mettre aussi une image. On a dit qu'on se mettait une image. Alors là, tiens, moi je vais taper blogueur. Blogueur. Toc. Et puis image, je vais trouver le logo ou je ne sais quoi. Blogueur. Bah tiens, non, oui, je sais. Je vais, oui, allez, tiens, je vais prendre ça puisque c'est ce que je vous demande de faire. Bien, ça sera mon image, ou celle-là, tiens. Donc, je m'en vais l'ouvrir. Ici, je vais faire un clic droit, copier l'adresse de l'image, c'est celle qui m'intéresse. Et puis, je retourne sur mon blog. Alors, je vais me mettre ici. Et puis là, je vais insérer mon image. Donc,
c'est par ici, c'est à partir d'une URL dans mon cas, et là je vais coller l'URL que j'ai copié, sélectionné, et puis cette image qui se retrouve ici, pardon, alors avant de faire ça, je vais lui donner une taille moyenne, et puis dans la légende, je m'en vais copier-coller la source, donc c'est Blogger, donc là je vais aller sur le site, et puis toc, je m'en vais copier ça, et le mettre en légende, CTRL-V. Alors le fait d'avoir collé cette image et sa légende sur la première ligne qui a un style paragraphe, ça évite en fait à cette ligne là d'avoir, si vous l'aviez copié là, elle récupérait le style titre et donc elle était un peu plus grosse. Bien, donc j'ai mon image, d'ailleurs mon image, l'idée, non, elle était très bien, pardon, je la laisse où elle est, toc, si, et je vais l'aligner à droite, pardon, et je vais l'aligner, ça c'est le texte qui part à droite, et mon image, je m'en vais l'aligner à droite, voilà, donc elle prend sa place, j'ai cliqué sur ce petit bouton là, et puis pour l'instant tout va bien. Alors en dessous, après, on doit citer ses sources, donc source 2 points, on doit créer donc un lien, alors j'y vais, le lien de la page qui m'inspire, c'est celle-là, donc je copie le lien, CTRL-C, je retourne ici, ici j'ai un petit outil qui me permet d'insérer un lien, l'URL c'est là, le texte affiché, comme des fois c'est trop long, vous pouvez le simplifier en ne gardant que le domaine, et puis je vais activer là, ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre, appliquer, donc ça me donne ça. Après il est question de mettre un lien d'extension, ça c'est pour le lire la suite, donc je vais cliquer ici, toc, et puis maintenant je m'en vais retourner sur mon article, réservé aux adultes, c'est pas pour nous, il est interdit d'apporter, diffuser des contenus, ouais bon bah ça vous le lirez, Google interdit nos produits à des les enfants en danger. Qu'est-ce que je peux mettre? On ne doit pas parler de violence, on ne doit pas mettre de... C'est pas un site qu'on te réserve aux adultes, donc évidemment, vous, voilà, vous éviterez de mettre tout ce qui est à caractère sexuel. Je vous rappelle que je, toutes les semaines, hein, je regarde ce qu'il y a d'écrit dessus. C'est, je vous rappelle aussi, bon, on va partir d'ici. Activité dangereuse, illégale, incitation à la haine, usurpation... Neutron. Je reprends activité dangereuse et illégale, contenu trompeur, information absonnage, spam, terrorisme, il y a ça, image de mineurs sans autorisation, et oui, vous n'avez pas le droit, droit d'auteur, on doit s'y plier aussi. Allez, je vais prendre tout ça, je le copie, et il est évident que je vais coller le tout, mais je ne vais pas garder le tout, pardon. CTRL-Z, donc je vais faire un CTRL-V, et puis, je m'en vais, j'aurais peut-être pas dû en prendre. Ah, je vois que j'ai viré mon trait d'expansion. L'idée c'est de virer le plus important, toc, donc là je viens de supprimer la mise en page, voilà, et puis maintenant donc ça, hop, alors cette ligne là je vais déclarer titre. Je nettoie un peu, je mange pas de pain. À désactiver ou de promouvoir des produits pouvant causer des dommages graves. Des personnes ou des animaux. Toc, le reste, je vais l'enlever.
ça, hop, il y en a un qui a fait un article sur le harcèlement, donc on n'a pas le droit. Menacé, ou est-ce que je vais laisser un exemple quand même? Toc, incite, bon, allez, je vais tout laisser. Incitation à la haine, ça je le mets, c'est aussi un titre. Je supprime, là je ne peux plus rien faire. Usurpation d'identité, c'est aussi un titre. Logiciel et contenu malveillant, hop, allez, ça je vais l'enlever. Contenu trompeur, hein, l'effet. Alors ça, je vais l'enlever. Donc, supr. Contenu trompeur, toc, c'est un titre. Là, ben tiens. Alors, vous pouvez publier du contenu trompeur dans la pédagogie de documentaire. Ok, bon, ben, si je veux faire. Donc ça, je vais mettre des puces. Toc. Alors là, je me dis, celle-là, je l'enlève, celle-là, j'enlève. Donc avant de voilà, quand vous, avant de publier, hein, vous nettoyez un peu. Ça, je peux le monter. Là, je me dis, est-ce que je mets des espaces? Hop, un titre, pas d'espace. Un espace, toc, pas d'espace. Un espace, ok, je garde cette logique. Donc ici, j'en ai en trop. Hop. Image à caractère sexuel, évidemment, vous comprenez que c'est totalement proscrit. Je laisse le lien de signalement. Informations personnelles et confidentielles, vous n'en mettez pas. Mais ça, je vais quand même le mettre en gras. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai donné un compte qui n'est pas rattaché à une personne. Normal, titre. Ok. Produit, spam, activité. Allez, et puis le reste, il y a le lien. Ah, les droits d'auteur, je vais garder. C'est important, les droits d'auteur. Toc, voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps. Hop. Donc là, je saute une ligne. Ça, c'est censé être un titre. Et puis, hop. Alors, vous nous avez répondu afin de présumer les droits d'auteur. Pendant la procédure du droit d'auteur, consultez cette page. Alors, vous ne devez pas partager des liens vers des sites sur lesquels les internautes peuvent ensuite télécharger sans un des contenus appartenant à d'autres personnes. Voilà, bon bah si on respecte tout ça, c'est bon. Donc là, j'ai mon article. Sa mise en page est correcte. Je n'ai plus qu'à saisir des libellés. Donc je vais mettre publication. On a dit au moins trois mots-clés. Ils sont tous séparés par une virgule. Donc ça concerne blogueur. Je vais mettre blogueur. Et puis je vais mettre règlement. Et quand vous tapez un mot-clé, regardez toujours si jamais il n'apparaît pas dans les suggestions, histoire de ne pas en mettre deux. Par exemple, si je mettais règlement avec un S, et puis qu'il y en avait déjà un règlement sans S, ben, j'aurais pris le règlement sans S. Est-ce que j'ai tout? Donc ça c'est bon. Et ben, je n'ai plus qu'à publier cet article. Donc si je résume, un titre, on pense à la majuscule. Auteur, élève ou prof, vos initiales, présentation, on a joué sur les styles ici. Vous mettez un peu de gras, petit paragraphe qui résume ou qui motive la lecture de l'article qui suit. Vous devez citer vos sources, le lien, ce petit outil. N'oubliez pas d'activer, ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre. Après, le lien, le marqueur d'extension, ici. C'est pas normal. Donc je vais en virer un. Voilà. On a inséré aussi une image en passant par ici. Si vous voulez mettre un lien vidéo, c'est pareil, c'est par là. Mais vous citez expressément vos sources en dessous.
dessous.